Alors ce soir, la crise des valeurs, fin de l'ère chrétienne ou nouveau christianisme. Nous vivons peut-être la fin de l'ère chrétienne, accompagnée d'une crise des valeurs, ou l'inverse, et peut-être va-t-on vers un nouveau christianisme. De nombreux dérèglements se produisent dans notre société. On assiste à une résurgence du paganisme et des mythes de l'Antiquité grecque. Narcisse, Prométhée sont de retour et deviennent envahissants. Le mimétisme s'exacerbe, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans les médias, même si l'individualisme est puissant et poussé par un ego qui devient forcené. De par son influence, l'autorité philosophique de Nietzsche est universellement imposée. C'est universellement imposé au point qu'il est reconnu aujourd'hui pour l'un des plus grands philosophes qui ont modelé le visage du XXe siècle. Pour nous parler de tout cela, nous avons invité Geneviève Hébert, ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de philosophie, professeure de philosophie pendant de nombreuses années, en particulier à l'Institut catholique de Paris. Elle est membre de l'Académie catholique de France, auteure de nombreux articles dans des revues, des articles de philosophie, bien sûr. Et votre dernière intervention, il y en a eu une pour nous, ça a été votre conférence inaugurale dans notre colloque de cette année qui s'est tenue en juillet. Je vous ai demandé de venir parce que, pour toutes vos compétences, mais aussi parce que vous avez été mon professeur de philosophie deux fois. Une première fois pour un cours sur la philosophie grecque et deux ans après pour un cours sur Nietzsche. Pardon ? Voilà. Oui. Voilà. Et dans mon introduction, j'ai cité ce nom, Nietzsche, et qu'il faut connaître et qu'il faut lire. En entrant, on m'a demandé, mais pourquoi dans un milieu chrétien on lit Nietzsche ? Et justement, vous apprenez qu'il faut absolument lire ce philosophe. Alors, je crois. Voilà, donc le ton est donné. Et je vais donc vous laisser la parole sur ce sujet. Alors j'espère que tout va bien se passer. Est-ce que vous pouvez me faire une petite place là ? Ah là ? Pour poser ça. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ah, oui. Attendez, on va le mettre là alors. D'accord. Ah oui, d'accord. Montre. Bon. Alors, d'abord, bonjour, merci d'être là. Ça me fait évidemment très plaisir de renouer avec des auditeurs et à propos d'un auteur que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, dans la mesure où déjà mon mémoire de maîtrise de philosophie à la Sorbonne, j'ose pas dire la date, c'était dans les 68, que je crois bien, oui. C'était le thème de la danse chez Nietzsche. Ce que Nietzsche dit, qu'il ne croirait qu'en des pensées qui sauraient danser. Et pour moi, c'était très important de travailler un philosophe qui réhabilitait le corps, qui réhabilitait la métaphore à partir du corps pour dire l'esprit, hein, pour dire ce qu'il y a de plus
spirituel dans l'homme. Et puis, c'était avec le professeur Henri Biraud. Et ça a été le début d'une longue, très longue familiarité avec Nietzsche. Quand ensuite j'ai enseigné à la Cato, aussi bien aux philosophes qu'aux théologiens, avec des cours séparés, souvent, mais j'ai été chargée tout naturellement avec la philosophie grecque, la métaphysique de Nietzsche. Donc c'est un monsieur que je connais bien. Voilà. Bon, alors vous m'excuserez parce que j'ai mis 5 heures pour venir de chez moi, en habitant dans la région parisienne, bien sûr. Et je ne trouvais pas du tout les lieux ici. Je me suis énormément énervée en cherchant pendant plus d'une heure et demie dans des rues sombres avec des gens qui ne connaissaient absolument pas la géographie, un GPS qui voulait à tout prix m'envoyer ailleurs. Donc j'ai pas eu le temps de me poser, de remettre bien mes papiers à plat. Enfin, vous voyez, hein, vous serez indulgents si je patauge un peu au début. Donc, je ne me rappelle plus, vous m'aviez donné une indication quand même directrice, hein, mais je n'ai pas eu le programme, la belle affiche, je l'ai reçue avant-hier. Donc, je n'en ai pas tenu compte dans mon propos. Ah, ce n'est pas grave, hein, vous savez, là, vous avez... il n'était pas encore question de manière aussi explicite de crise des valeurs et de choses comme ça. Hein. C'était plutôt Nietzsche, bon, on va voir. Bien. Alors, je vous ai donné un schéma, je viens de vous distribuer, un schéma récapitulatif, on en parlera après, hein, c'est pas la peine pour l'instant, vous le gardez à portée de la main, simplement. Hein, j'y reviendrai plutôt tout à l'heure. Hein. Alors, moi, je voudrais partir du fait que... La pierre angulaire, c'est le fait que Nietzsche se présente toujours lui-même comme un diagnosticien. Hein, il cherche à établir le diagnostic le plus juste, hein, le plus pertinent concernant une culture, la culture de son temps, la culture qui lui est familière, hein, et qui l'oppose d'ailleurs souvent, par exemple, à une autre culture dont il est aussi le spécialiste, et qui est la culture grecque, ancienne. Hein, et il considère que c'est la culture contemporaine, la culture de la Prusse, dans laquelle, cette culture dans laquelle il a été élevé, la culture de Bismarck, enfin la culture du temps de Bismarck, la culture de cette Europe de la fin du XIXe siècle, etc., etc. Cette culture est malade. Cette culture est profondément malade. Nietzsche se veut un médecin de la culture, et donc la première chose que doit faire un médecin devant son malade, c'est d'essayer d'établir le diagnostic. Et on voit sans arrêt, les métaphores. Des métaphores médicales ou pas très, très, recherchées, des métaphores médicales extrêmement simples, hein, celles vraiment du bon médecin de famille. Hein, il est là en présence de quelqu'un. Déjà, il faut vraiment être sûr qu'il est malade. Il faut parfois le convaincre, ce malade, qu'il est malade. Parce qu'en général, il y a, disons, certains malades qui ne veulent pas reconnaître leur propre pathologie. Bon, il faut ensuite essayer de vraiment porter le diagnostic le plus juste. Bon, et puis après, on verra si on peut soigner, quel remède, et comment essayer de sortir de cet état de, un mot très très fréquent chez Nietzsche, de morbidité. Hein, il le dit quelquefois d'ailleurs en italien, morbidezza, hein, c'est vraiment l'état, un état maladif, un état de vulnérabilité à cause d'une... d'une vie, lui dira d'un corps qui n'a pas suffisamment de santé. Nietzsche aspire à la grande santé. Il met, là, on peut mettre des majuscules dans les traductions, la grande santé. Bon, il faut savoir, en passant, que Nietzsche était lui-même un très grand malade, hein, et qu'il souffrait à longueur de temps, jeune ambulancier pendant la guerre de 70, entre la Prusse et la France, il avait trouvé le moyen, ambulancier, hein, d'attraper la diphtérie
et la dysenterie. Il est resté très, très fragilisé par déjà ces deux pathologies qu'on ne savait pas bien soigner, hein, et par ailleurs, hérédité, tout ce que vous voudrez, il n'était pas d'une santé très solide. Parler santé-maladie était pour lui quelque chose de très existentiel. Hein. Quand vous souffrez vraiment de votre... Quand il dit « maudit les faibles », il y a des textes extrêmement violents sur les faibles. On se dit « oh là là, quel brut hein. !» Et puis certains y voient l'annonce du nazisme ou des choses comme ça. Attention, attention, maudit les faibles, il est le premier à reconnaître qu'il est, lui, particulièrement faible. Hein ? Il a passé son temps à chercher un climat en Europe où il pourrait être un peu moins malade, souffreteux. Il souffrait vraiment en permanence de diverses pathologies. Il faut quand même, hein, j'insiste, parce que bon, quand il va essayer de chercher un climat méditerranéen, ben, quand on vit, on a vécu son enfance et son adolescence en Prusse, on n'est pas spécialement sous un climat méditerranéen. Vous voyez ? Et donc, il va le chercher sur la côte Ligure, à Gênes, il y a des textes magnifiques, poétiques, hein, où il monte, bien que souffreteux, il arrive à monter sur les collines au-dessus de Gênes, et là, il y a des textes parfois un peu contradictoires, mais tantôt c'est une expérience incroyable de joie, pas de bonheur, de joie, pour moi, une exultation de l'être. Tantôt, c'est au contraire quelque chose qui lui fait penser aux offices des morts, qui lui fait penser aux funérailles de son père, qu'il a perdu à l'âge de 5 ans, etc. C'est quand, monté au-dessus de Gênes, je ne sais pas si certains connaissent Gênes, c'est une ville en amphithéâtre au-dessus de la mer, très, très, des pentes très abruptes, hein, un amphithéâtre très abrupt. Alors, il monte, et puis là, il domine la ville, et il y a tous ces clochers, et tous ces clochers se mettent à sonner l'Angélus en même temps. Oh, joie, joie. On a presque envie de citer Pascal, joie, joie, pleure de joie. Il y a une parenté entre Nietzsche et Pascal, pour moi, évidente, mais c'est une parenthèse. Bon, donc, alors évidemment, ces cloches aussi, parfois, sonnent le glas, donc ça peut être ambivalent, mais le plus souvent, les cloches de Gênes, puis vous savez peut-être déjà qu'il y aura une autre région d'Europe qui l'attirera, parce qu'elle est, justement, elle est... d'un climat très pur, d'un climat solaire, d'un climat qui ne connaît pas les brumes, les brouillards, les choses un peu douteuses sur le plan climatique, c'est l'Engadine, c'est-à-dire cette région qui se trouve à la frontière de la Suisse et de l'Italie, hein, en très haute altitude, hein, les lacs de Sils Maria, et là Nietzsche y passera plusieurs périodes où il sera... Il connaîtra, ce qui est rare dans son existence, il connaîtra des périodes vraiment de félicité. Hein. Et c'est là qu'il aura la révélation de ses intuitions les plus fondamentales sur l'éternel retour, hein, le surhomme et la volonté de puissance, dont nous allons un peu parler. Hein. Mais vous voyez, cette association avec des paysages, des climats, moi, je trouve ça extrêmement émouvant d'aller se promener au bord du lac de Sils Maria. Le ciel est d'un bleu incroyable, le lac est d'un bleu incroyable. On est en haute altitude, l'air est pur, presque glaçant. Hein, vous voyez ? Et voilà, eh bien, on pense autrement. Nietzsche est le philosophe qui montre que la pensée est toujours incarnée, qu'on part toujours, hein, toujours en lien avec un corps malade ou un corps en bonne santé. Et c'est plus ou moins métaphorique, mais toujours sur une base d'expérience vécue. Hein, voilà. Alors, je disais donc, je tenais à repartir, quand il s'agit de Nietzsche, hein, de cette affirmation, de cette conviction forte, hein, que... il faut porter le diagnostic le plus juste sur les maladies dont l'être humain peut souffrir, sur le plan, bien entendu, moral, hein, au niveau de la morale. Et pour cela, il faut faire des analyses, et des analyses sous forme de généalogie. Hein, d'où ça vient ? D'où vient cette croyance ? D'où vient cette préconisation morale ? D'où vient ce commandement moral ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est la volonté qui est à l'œuvre là-dedans ? Hein ?
très nietzschéen de parler de la morale en termes de forces qui agissent, qui produisent de bons ou de mauvais fruits, en termes de santé, en termes de joie de vivre ou de joie spirituelle. Quels sont les fruits que produisent telle croyance, telle conviction, telle pratique? Il n'y a pas des valeurs en soi, il n'y a pas la bonté, la générosité, en soi, ça dépend. Hein. Et qu'est-ce qui permet de savoir si c'est véritablement un bon ou si c'est mauvais? C'est de savoir quel fruit ça produit. Hein. C'est extrêmement important. On juge un arbre à ses fruits. Proverbe est tout bête, il n'est pas de Nietzsche, hein, mais ça pourrait être de Nietzsche. Bon, alors, après cette introduction, ce début, cette première partie d'introduction, je voudrais mentionner deux textes de Nietzsche qui me servent aussi à introduire le propos de ce soir. Ce sera assez court. Il y a d'abord un aveu autobiographique de Nietzsche lui-même, dans une lettre à Peter Gast, qui était un de ses amis, peu importe. Dans cette lettre qui, moi, me touche énormément et que j'ai très, très souvent citée à des étudiants en théologie, en particulier à des séminaristes ou des religieux, des prêtres, etc., en formation à la catho. Dans cette lettre, que je ne vais pas vous lire, je n'ai pas le temps de la lire en entier, on a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est une lettre du 21 juillet 1881. Alors, dans la correspondance de Nietzsche, qui est publiée dans différentes éditions, vous avez le 21 juillet 1881, lettre à Peter Gast. Nietzsche fait un aveu bouleversant pour moi. Il avoue que fils, petit-fils, arrière-petit-fils de pasteur luthérien. Alors, ne me dites pas, oh, vous, c'est les protestants, nous, on est catholiques. Ah, non. Pasteur luthérien, nous sommes très proches. Je cite, descendant de générations entières d'ecclésiastiques chrétiens. Non, on ne s'occupe plus de savoir la sous-catégorie. Il a reçu deux. Et en particulier de son père, mort alors qu'il n'avait que 5 ans. Donc vous voyez, il fait remonter ça vraiment dans ses toutes premières années, ce qui peut être d'ailleurs critiquable. Il a reçu d'eux tous les privilèges. Alors, quels sont ces privilèges? Il y a les privilèges de l'intelligence, de la culture, du goût des belles et bonnes choses, la culture grecque, toute la culture européenne. Nietzsche est un homme extraordinairement cultivé. Qui aime les arts, qui aime la musique, alors passionnément, qui est lui-même musicien. Il a écrit des œuvres, bon, c'est pas forcément extraordinaire, mais il était très lié à une certaine période avec Wagner, dont il était quasiment le fils adoptif. Bon, ils se sont fâchés. Ensuite, il a critiqué Wagner de manière très violente. Mais Nietzsche est quelqu'un qui est remarquablement inséré dans toute la richesse culturelle de cette Europe, en particulier de l'Allemagne, de la fin du XIXe siècle. Ah. Il a été aux meilleures écoles. Eh bien, il a reçu d'eux, donc ses ancêtres, ecclésiastiques chrétiens, tous les privilèges, sauf la vie. Alors, vous allez me dire, la vie, si, il est vivant, lui. Non, mais sauf la vie, le grand oui à la vie. Il a reçu tout sauf l'amour de la vie, sauf la gratitude pour le fait d'être vivant. Et c'est quelque chose de terrifiant. Si l'héritage chrétien consiste à hériter de la maladie ou d'un état de morbidité permanente, si c'est l'apprentissage de l'agonie et une préparation à la mort, alors attention, ça donne à réfléchir. On juge un arbre à ses fruits.
Là, vous voyez bien que les fruits sont des fruits absolument négatifs. Deuxième texte, que certains connaissent peut-être, parce qu'il est, bon, il est très très connu. Alors attendez, je l'ai perdu. Bon, c'est dans la préface du Gai Savoir. Toute la préface du Gai Savoir est une préface programmatique pour la philosophie de Nietzsche. Et dans cette préface, il y a en particulier des passages où le philosophe doit être le médecin de la culture. Bon, alors, je ne vais pas... vous voyez, c'est le problème d'être arrivé, d'avoir cherché pendant plus d'une heure dans cette ville, la bonne adresse. Bon, je ne vais pas... Mais je l'ai vu, je l'avais tout à l'heure, excusez-moi. Je vais le retrouver, je le lirai à ce moment-là. Et puis la table est très petite, c'est pas comme... Bon, alors... ça, c'était les deux textes introductifs à partir desquels j'introduisais mon propos. Alors, donc, vous voyez, je rajoute quelque chose en passant, on voit bien comment Nietzsche, à partir de là, moi j'ai pris comme porte d'entrée hein, le médecin qui établit le diagnostic de la maladie, hein, hors de question de prétendre soigner si on n'a pas fait le bon diagnostic, mais on pourrait rattacher ça aussi à une autre titulature de Nietzsche dans l'histoire de la philosophie. C'est Nietzsche, maître du soupçon. Un des trois maîtres du soupçon pour un philosophe comme Paul Ricoeur. C'est dire que bon, les grands maîtres du soupçon pour Ricoeur sont trois. Il y a Marx, Nietzsche, Freud. Bon, on ne va pas rentrer, bien sûr, dans l'analyse du soupçon chez Marx ou chez Freud. Mais Nietzsche se situe dans le groupe. Et on voit bien qu'il s'agit toujours de... Voilà, le médecin soupçonne une pathologie. Le médecin soupçonne que derrière le symptôme, il y a un organe malade ou il y a une fonction qui ne fonctionne pas. Hein? Il faut ensuite étayer, vérifier, hein? Valider le soupçon. Mais qu'est-ce qui est à l'œuvre? Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Par exemple, dans une volonté, vous voulez mourir, vous voulez vivre. Vous voulez, je sais pas, épouser votre voisine de table au lycée, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui veut et qui veut quoi? Est-ce que c'est une volonté pour l'accroissement de l'être, pour la santé de l'être, pour le développement de ses aptitudes, de ses facultés, de ses dons, ou est-ce que c'est au contraire une volonté, alors je reprends le mot de Nietzsche, morbide, de rétrécissement, hein, de décroissance, hein, de recroquevillement, et pourquoi pas de mort. Il y a des gens qui aiment être malades, hein. Il y a des gens qui font tout pour être malades, et dont la volonté est inconsciemment souvent une volonté de morbidité. Je reprends le vocabulaire de Nietzsche. Alors, Nietzsche s'est toujours attelé, en a cessé de s'atteler aux soupçons concernant, on rejoint le thème des valeurs et de la crise des valeurs, justement, il a cessé de soupçonner la morale. Alors, quelle est donc cette dame? Vous savez que c'est une vieille plaisanterie philosophique. La morale dit que, la morale enjoint que. Hein. Mais alors, qui c'est la morale? Vous l'avez rencontrée, vous, la morale? Vous lui avez serré la main? Bon, c'est une vieille, une très vieille plaisanterie de l'histoire de la philosophie. Mais pour Nietzsche, la morale, c'est vraiment quelque chose de très concret, de très consistant. Il s'agit de voir quelle volonté est à l'œuvre dans telle ou derrière tel interdit, derrière telle préconisation. Quelle est la volonté? Pourquoi il faut faire le bien et ce bien-là? Pourquoi il ne faut pas faire le mal et ce mal-là? Il faut faire ce qu'on pourrait oser appeler une sorte de psychanalyse, mais pas au sens de Freud, mais d'analyse de la
psyché, d'analyse de l'âme qui soutient ou défend telle ou telle valeur. Et une valeur peut avoir l'air très positive, une valeur peut avoir une apparence très brillante, et en fait être subtilement et subrepticement animée par une volonté négative, une volonté pernicieuse, une volonté qui va produire un état pathologique. Certaines valeurs sous des dehors brillants sont pathogènes. Ah. Par exemple, la pitié. Par exemple, tout ce qui est ascétique pour Nietzsche. Sachant que Nietzsche lui-même n'était pas du tout un jouisseur. Hein, et sa santé ne lui permettait pas. Donc, la vie ascétique, il la pratiquait tout à fait spontanément. Mais derrière les plaidoyers pour l'ascétisme, hein, derrière les plaidoyers pour justifier certaines formes d'ascèse, il repère et il dénonce une volonté qui est pathogène. Bon, alors, l'image donc du médecin, c'était ma deuxième référence dans cette introduction. Dans la partie suivante, je voudrais développer. J'ai pas ma montre, là, je l'ai enlevée. Vous me direz. Hein. Je voudrais développer un malentendu et le lieu de beaucoup de contresens concernant la pensée de Nietzsche. Vraiment éviter à vous mettre en garde contre des choses, par exemple, qu'on peut trouver sur le net. Ou qu'on peut trouver aussi chez les libraires, des approches de Nietzsche l'auteur des propos commet un grave contresens, mais carrément un contresens, sur une expression nietzschéenne qui est la suivante, il faut philosopher à coups de marteau. Certains l'ont peut-être déjà, bien sûr, certains parmi vous l'ont déjà lu, ou d'autres l'ont entendu. Bon, est-ce que Nietzsche est le philosophe qui philosophe avec un gros marteau pour tout casser, tout démolir? Vous savez, on pense vraiment les énormes masses, par exemple, qui permettent de démolir des vieilles bâtisses dans les quartiers qu'on réhabilite. Et bang, et puis tout s'effondre, et puis bon, allez, on va repartir de la table rase. Quand je dis la table rase, on pourrait par exemple penser à Descartes. Enfin, il faut repartir de zéro. Il faut repartir de pour éviter la plus petite erreur ou le plus léger préjugé. Allez, le cogito va douter intégralement de tout ce qu'il croyait savoir. Eh bien, Nietzsche, c'est pas ça du tout. Alors, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à partir de ce que je disais juste avant. Nietzsche est quelqu'un qui est dans la subtilité. S'il a si bien, si, à mon avis, vraiment magnifiquement parlé de la danse, je ne croirais qu'en des pensées qui seraient dansées. Nos pensées doivent être des pensées dansantes, légères. Ne vous appesantissez pas, n'ayez pas des pensées lourdes qui accablent et qu'on ne peut pas soulever. Eh bien, ce ne serait pas cohérent, vous voyez, d'être à la fois le philosophe des pensées légères, des pensées dansantes, des pensées allègres, l'allégresse, vous voyez, quand on a envie de sauter de joie, on a envie de danser, là, comme les enfants. Il y a de très beaux textes de Nietzsche, justement, les enfants qui, eux, connaissent la joie, la vraie joie, qui s'exprime physiquement, corporellement, là, vous les voir sortir de l'école, là, et puis c'est... Voilà, c'est pétillant, c'est... Eh bien, on voit mal ce philosophe-là prendre une grosse masse, être comme un titan de l'Antiquité, bang, je casse tout. D'abord, premièrement, il s'est toujours opposé au nihilisme. Il a toujours dit, attention, le nihilisme n'est pas du tout supérieur... aux croyances, même les plus médiocres croyances. Table rase, c'est pas mieux que table encombrée. Nietzsche, de ce point de vue-là,
n'est pas du tout partisan d'une critique forcenée, hein, qui serait excessivement brutale et totalitaire. Pas du tout. Il y a un autre marteau, il y a en pluriel d'autres marteaux dans les métiers que nous connaissons, ou que Nietzsche connaissait, certains n'existent plus de ces métiers-là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marteau? J'en mentionnerai au moins deux. Il y a le marteau, deux ou trois ou quatre. Bon, déjà, il y a le marteau de l'expertise. Alors, le marteau de l'expertise, il peut être celui du médecin. J'ai lu un texte encore ce matin, très intéressant, qui disait que, qui développait le fait qu'à l'époque de Nietzsche, les médecins, dans leur diagnostic, ils n'avaient pas beaucoup d'outils, hein, ils n'avaient pas beaucoup d'instruments devant un malade. Dans les années 1870-90, vous prenez l'IRM, même la radio, bon. Hein. Et alors, par exemple, pour les maladies de ventre, l'enfant qui a le ventre ballonné, hein, qui dit qu'il a très mal au ventre, et ça peut être une appendicite, ça peut être une péritonite, ça peut être des choses graves. Hein. Ils avaient un petit marteau. Les médecins avaient dans leur trousse un petit marteau qui permettait de tapoter le ventre de l'enfant malade. Et un médecin qui avait du métier repérait à la façon dont se produisait l'espèce de tapotement des pathologies ou l'absence de pathologies. Bon, dans le même ordre, vous avez par exemple les orfèvres. Les orfèvres, ils se servent, petit marteau, ils se servaient pour tester la qualité d'un alliage. Oui, c'est à la fois une affaire de résonance au bruit, et puis bon, ça fait partie du métier. Hein, ça, c'est du faux, c'est du toc. Ça, non. Ça, c'est du bel or pur. Donc, il y a d'autres références, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas si simple, hein, de faire de Nietzsche, et c'est même un contresens, c'est même une erreur de... Je vais vous montrer tout à l'heure très précisément l'erreur de traduction, dans le titre même du livre où il y a « Philosophie à coups de marteau ». Il y a carrément une faute de traduction. Hein, mais Nietzsche... qui lui-même, par ailleurs, s'est comparé à de la dynamite. Alors, bon, il y a un texte où il se compare à de la dynamite. Ne prétend jamais vraiment tout casser. Il faut faire donc attention à ça. Comme le dit d'ailleurs un auteur contemporain, la pire des lectures de Nietzsche consiste à le prendre au pied de la lettre, à lui rogner les métaphores. C'est joli, hein, rogner les métaphores comme on rognerait les ailes. Hein? Donc Nietzsche ne peut plus prendre son envol, la pensée de Nietzsche ne peut plus prendre son envol, etc. Alors, je reprends, là je vais lire mon texte pour aller plus vite. De fait, il y a un malentendu grave dans la réception hâtive et hypercritique de la pensée de Nietzsche, qui en fait le philosophe du nihilisme et de la destruction des valeurs. Là, on est dans notre sujet. Celui du philosophe à coup de marteau, qui aurait ouvert la crise contemporaine des valeurs dans le monde contemporain. Vous avez d'ailleurs les titres des ouvrages « Par-delà, bien et mal ». N'est-il pas le titre d'une de ses œuvres, « Par-delà » ? Bon, certes, l'expression « philosopher au marteau » est de Nietzsche lui-même. C'est le sous-titre du « Crépuscule des idoles ». Deuxième titre, « Crépuscule des idoles ». Les valeurs sont des idoles. Donc il faut annoncer le crépuscule. Bon, là aussi, ce n'est pas tout à fait correct. Eh bien, le sous-titre du crépuscule des idoles est « Comment on philosophe avec un marteau ?» Et là où c'est très malhonnête, c'est que vous avez énormément d'éditions où la traduction n'est pas celle-ci, mais c'est « Comment on philosophe à coups de marteau ?» On a rajouté à coup de. Que vous sentez que ce n'est pas pareil. Philosopher avec un marteau, à vous de vous demander quel marteau, hein, et pour faire quoi, pour casser, démolir, ou pour
Écoutez, alors, troisième sens du marteau, je vous ai dit, hein, le marteau du médecin, le marteau de l'expert. Dans mes lectures là, relativement récentes pour celle-là, j'ai découvert aussi un troisième marteau explicitement mentionné par Nietzsche, c'est le marteau du musicien. C'est le, on traduit le mot allemand pour marteau, on le traduit par diapason. Vous sentez tout de suite ? Le philosophe doit avoir de l'oreille. Il doit avoir une bonne oreille, comme le musicien doit avoir une bonne oreille pour bien... Ou la, tenez, celui qui accorde un piano. Accorder un piano. Ou au début d'un concert, hein, les violonistes là, qui sont là à resserrer hein, telle ou telle partie de l'instrument. C'est absolument pas hein, le gros casseur. Vous y êtes ? C'est quand même un peu fort qu'on ait pu traduire philosopher avec un marteau. Et à vous de vous poser la question de savoir quel marteau et pourquoi faire, et philosopher à coup de marteau. Là, les jeunes parmi vous, hein, vous voyez l'importance d'une traduction, l'importance de rajouter un mot. Jamais dans le texte allemand, vous avez, je ne vais pas le prononcer en allemand, parce que j'ai un mot, mon allemand est effroyable, mais il n'y a pas coup. C'est comme ça. Hein c'est dans le Crépuscule des idoles, publié en 1888 ou 89, c'est discutable, et qui est conçu comme un résumé de sa philosophie. Et d'ailleurs, le titre même, le sous-titre, de ce Crépuscule des idoles est en fait une citation de Wagner. Et ça fait directement allusion au Crépuscule des dieux de Wagner. Donc vous voyez, vous avez tout un emboîtement. Hein, de références, de citations, de clins d'œil. Hein, il faut, j'allais dire, être un peu cultivé pour se dire qu'est-ce que ça veut dire philosopher, supprimer le à coup de, mais philosopher au marteau. C'est d'ailleurs une drôle d'expression. Hein, on voit bien pourquoi on a rajouté à coup de. Ça paraissait plus français. Bon. Vous savez que Nietzsche donc, était très lié à Richard Wagner, je ne vais pas y revenir. Et aujourd'hui, j'ai découvert ça pas plus tard que ce matin ou hier, que je ne savais pas qu'il existait dans les magasins de bricolage, pas tout ça, un marteau de Thor, Thor, T-H-O-R, qui est Thor, c'est un des grands dieux de la mythologie nordique, scandinave, hein, ça fait partie des dieux wagnériens. Ça m'a beaucoup amusée, hein, parce que j'ignorais. Alors, c'est un marteau absolument monstrueux, énorme. Il y en a qui le connaissaient, là, non ? Marteau de Thor ? Hein ? Vous le connaissiez ? Ben, moi, je ne savais pas, puis moi, je pense que je serais incapable de le lever. Hein ? Pour le coup, là, je casserai tout. Mais vous voyez, Nietzsche souvent dit que, d'ailleurs, le philosophe doit avoir de l'oreille. Alors, je termine sur ce jeu de métaphores. Vous savez bien, par exemple, peut-être plus les ménagères parmi nous, là, les femmes d'intérieur que les autres, mais quand un verre ou un vase hein, est, rend un son étrange, vous voyez, un verre en cristal, quel son pur, hein, et puis avec des échos sonores. Puis tout d'un coup, le même verre, ça fait « Oh là, le vilasson !» Vous êtes sûr, alors que vous ne le voyez pas encore, qu'il est fêlé. Hein ? Un objet en cristal qui est déjà un tout petit peu abîmé, hein, une légère invisible fêlure, rend un son amorti, éteint. Hein, et pas du tout le son cristallin qu'on attend. Hein. Bon, ben voilà. On a là tout un ensemble qui montre que c'est facile de faire des contresens sur Nietzsche. Hein, c'est facile de voir en lui le philosophe d'un prétendu nihilisme contre lequel il s'est toujours battu. Et qu'au contraire, on a affaire à quelqu'un qui veut faire l'expertise des valeurs. Parce que des valeurs, il y en a de toutes sortes. Hein, elles méritent vraiment d'être étudiées hein, du point de vue de la santé, de la grande santé qu'assure la, doit assurer la philosophie, hein, et d'être éventuellement critiquées, éliminées, etc. Alors...
D'ailleurs, je voudrais... j'ai encore un peu de temps, pas beaucoup. Alors, dans ce fameux crépuscule des idoles, vous avez un paragraphe qui s'intitule « Le marteau parle ». Alors, avouez franchement que si c'était la masse du démolisseur, on ne voit pas très bien ce que ce marteau-là pourrait dire. Bon, le marteau parle. Alors, je vous lis, parce que c'est l'occasion de lire un texte de Nietzsche, même traduit. C'est en fait, ce passage du crépuscule des idoles est en fait une autocitation par Nietzsche. Nietzsche se cite lui-même, tiré du « Ainsi parlait Zarathoustra ». Donc Nietzsche a jugé utile d'aller chercher un texte sur Zarathoustra, pas mal d'années après, pour pouvoir le réintroduire là. Il s'agit précisément de marteau. C'est une citation de « Ainsi parlait Zarathoustra », chapitre 3. « Pourquoi si dur ?» dit un jour au diamant le charbon de cuisine. C'est assez amusant, hein, c'est pas fréquent chez Nietzsche d'avoir ce genre de petite fable, une sorte d'apologue à l'ancienne. Hein. Alors, le charbon de cuisine qui s'adresse au diamant. Je ne sais pas si vous avez des diamants dans votre cuisine, mais enfin... « Ne sommes-nous pas proches parents ?» Alors, pourquoi es-tu si dur ?« Pourquoi si mou ?»« Oh, mes frères, je vous le demande, moi !» « N'êtes-vous donc pas mes frères ? Pourquoi si mou, si fléchissant, si mollissant ? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant d'abnégation dans votre cœur, si peu de destinée dans votre regard ? Le charbon manque d'ambition. Le charbon, il est mou, il est friable, il n'a pas de tenue. Si vous ne voulez pas être des destinés, des inexorables, comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi ? Et si votre dureté ne veut pas étinceler, vous, les morceaux de charbon, et trancher, et inciser, comment pourriez-vous un jour créer avec moi ? Car les créateurs sont durs. Et cela doit vous sembler béatitude d'empreindre votre main en des siècles comme en de la cire molle. Béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur de l'airain, plus dur que de l'airain, plus noble que de l'airain, le plus dur seul est le plus noble. C'est un texte assez énigmatique, presque ésotérique, mais poétique, et qui montre bien là l'importance de la solidité, le diamant, de sa dureté, de sa capacité à résister, qui est là, évidemment, une véritable valeur. Ce paragraphe, donc, sur... les problèmes de traduction et de compréhension de la philosophie à coups de marteau avaient donc bien pour but d'essayer de vous montrer à quel point Nietzsche, la philosophie de Nietzsche, est une philosophie qui se veut d'expertise. Alors, c'est un mot qu'il n'utilise pas, mais qui me paraît important. Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voulais ajouter... que faire un excursus à propos de toujours finalement le même contresens sous des formes variées, mais soit le philosophe du nihilisme, soit le philosophe qui philosophe à coups de marteau, soit le philosophe qui détruit, qui casse les valeurs, soit le philosophe qui du coup laisserait d'ailleurs derrière lui le désert, table rase. Il se trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est la Providence, je ne mettrai pas la Providence à toutes les sauces. Mais il se trouve que j'apprécie beaucoup, un message qui vient régulièrement dans votre boîte de mail, collègues et frères dominicains de l'école biblique de Jérusalem. Certains peut-être reçoivent dans leur boîte de mail PRIXM, P-R-I-X-M. Je vous le conseille, c'est remarquable, c'est très bien, ça permet de parler en particulier à des jeunes, à des adolescents, de grandes questions bibliques, etc. Bon, j'ai fini de faire ma petite publicité. Mais, mes chers frères, donc, de l'École biblique de Jérusalem, dans
un mail très récent, c'est un mail il y a 15 jours ou 3 semaines, ça tombait pile, puisque je commençais à penser à mon intervention de ce soir, on produit un texte qui est truffé de contresens sur Nietzsche. Je ne me suis pas gênée, hein. Bon, ils le savent que... Bon. J'ai la plus grande amitié donc pour eux, mais en date du 1er juillet 2018, l'émission s'intitulait « Nietzsche versus les béatitudes ». Hein? Donc Nietzsche, d'un côté, versus les béatitudes, sous-entendu, en accord, en conflit. On retrouve toujours le même thème du philosopher à coups de marteau. Hein? Construire, déconstruire, casser, hein, ou pas. Voilà. Alors, en exergue de ce mail, il y avait une remarque à prétention humoristique. Nietzsche, coincé entre le Christ, Jean Vanier et Gandhi. La compétition est sérieuse. Oulala, oh, je me suis dit, oulala, 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 on va où là ? Hein, Nietzsche versus les béatitudes, Nietzsche coincé entre le Christ, Jean Vanier et Gandhi. Ah, puis je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ça quand même. Alors, je continue. Dans son autobiographie, Gandhi explique que le sermon sur la montagne lui était allé droit au cœur. Du coup, ça vaut peut-être la peine de le lire aujourd'hui avec prisme. Bon, d'accord ? C'est le début de... Le texte biblique est ensuite mentionné, et c'est le texte des béatitudes. Hein, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les doux. Bon, je coupe, hein, je prends que le début des versets. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, etc. Ils verront Dieu, ils seront consolés, ils seront bons. Vous connaissez tous ce texte, je suppose. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux les persécutés, heureux êtes-vous quand on vous injurie, quand on vous persécute. On dira en mentant toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, etc. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant vous. Bon, c'est l'évangile là qui est cité, c'est l'évangile selon saint Matthieu, hein, chapitre 5, versets 1 à 12. Bon, et vous remarquez que juste après, vous avez un portrait de Nietzsche. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est comme ça sur votre écran d'ordinateur. L'éclairage, dans son livre « La généalogie de la morale », maintenant vous comprenez mieux peut-être ce que c'est que la généalogie, il ne s'agit pas de dire un tel a engendré un tel qui a engendré un tel, ce n'est pas une généalogie comme dans les vieux textes, la Bible par exemple. Non, c'est savoir de quelle maladie génétique, par exemple, tel... culture est atteinte, hein, de quelle maladie génétique telle valeur est porteuse, hein, ce qui se transmet, ce qui vient là souterrainement et qui nous rend malades, ou qui au contraire nous aide à être peut-être plus doués, hein, dans tel domaine, plus intelligents, plus peu importe. Donc dans son livre La généalogie de la morale, Friedrich Nietzsche, etc., attaque les chrétiens. Et s'en prend à l'un des textes majeurs de l'Écriture qui fonde la foi, le texte des Béatitudes que nous vous présentons aujourd'hui. Ce texte véhiculerait une morale de renoncement, une exaltation de la faiblesse insupportable pour Nietzsche. Ah, effectivement, citation de Nietzsche, « Quand les asservis se mettent à dire, avec la ruse vindicative de l'impuissance, soyons différents des méchants, soyons bons. » Et bons sont ceux qui ne font pas violence, qui ne blessent personne, qui ne commettent pas d'agression et n'usent pas de représailles, etc., etc. Je coupe un peu. Eh bien, pour un homme froid et impartial, cela ne veut rien dire d'autre que ceci. C'est Nietzsche qui parle, hein. Nous, les faibles, nous sommes décidément faibles. Il est bon que nous ne fassions aucune chose pour laquelle nous ne sommes pas assez forts. Mais cet état de fait douloureux, cette sagesse élémentaire, a pris l'apparence pompeuse de la vertu de renoncement, de silence et de patience, comme si la faiblesse même de l'homme faible, c'est-à-dire son être, son activité, toute sa réalité unique, inévitable et ineffaçable, comme si cette faiblesse était un acte délibéré, quelque chose de voulu, de choisi, un exploit, un mérite. Bon, je résume, hein, Nietzsche, hein, là, dénonce
que le fait de se vanter de sa faiblesse, hein, de sa vulnérabilité, comme étant hein, une qualité, comme étant un mérite, comme étant une vertu. Hein? C'est effectivement une citation de Nietzsche, hein, de la généalogie de la morale. Et les dominicains continuent. Nietzsche mène ici l'une des plus grandes attaques contre la sagesse biblique. La faiblesse est insupportable, car l'homme est fait pour être solide, pour montrer sa force et jouir de sa puissance. Volonté de puissance. Toute autre morale ne serait qu'une duperie, un mensonge, une lâcheté de l'homme incapable d'être fort. Et ensuite, je n'ai pas le temps de le lire, mais il y avait une autre grande citation, un peu longue, de, bien sûr, devinez qui, Jean Vanier. Hein? Notre nature est ainsi faite, etc. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Hein? Nous devons faire l'expérience quotidienne de la faiblesse, de la fragilité, etc. Qu'est-ce que je tire de ça? C'est que dès qu'on touche à ces affaires de force, de faiblesse, de puissance, d'impuissance, hein, on est au bord du précipice du malentendu. On est au bord du précipice de tous les contresens possibles. Alors, avec les meilleures intentions du monde, une citation de Nietzsche, hein, défendant la force, quasiment en faisant un protagoniste même de la force violente, de la force brutale, le philosopher à coup de marteau. Alors que, on le sait d'ailleurs, Nietzsche était le plus doux, le plus compatissant, j'ai envie de dire le plus gentil des hommes. Vous savez, sa dernière action dans sa vie, avant de sombrer dans l'inconscience, c'était à Gênes. Il s'est opposé à un cocher qui est en train de martyriser un vieux cheval. Cheval, on ne pouvait plus avancer. Et Nietzsche s'est opposé à cette... Nietzsche était un homme capable de pitié. Il n'a jamais dit que la pitié était forcément mauvaise. Il l'a quelquefois dit, mais toujours dans un contexte de... Quelle est la volonté derrière la pitié? Quelle est la force qui est à l'œuvre derrière la compassion? Est-ce que c'est pour tout ramollir, tout aplatir, hein, laminer? Ou est-ce que c'est au contraire pour rendre des forces, pour ranimer, raviver? Alors, il faut que je m'arrête, je pense. Non, je peux continuer. Alors, je terminerai par deux choses. Oui, je vais faire ça. D'abord, je commenterai la feuille qu'on a dû vous distribuer, hein, qui est un... J'ai appelé un... un résumé, non récapitulatif, voilà. Mais avant, je voudrais rajouter un dernier point. Mais on pourrait continuer pendant... Vous imaginez, hein, on ne peut pas présenter Nietzsche comme ça... En simplement une concert. Je voudrais terminer par donc ce thème qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais l'âge de certains d'entre vous, là, parmi les plus jeunes. Hein, c'était donc le thème de la danse. Hein. Alors, pourquoi Nietzsche, qui lui-même, je n'étais pas du tout. Il n'avait rien à voir avec la danse, hein, la danse comme art, je ne sais pas, les ballets. Hein, l'opéra, Béjart, le lac des Cygnes, ou voyez, des choses comme ça. Pourquoi Nietzsche a écrit des textes tout à fait superbes sur la danse, hein, quand il dit « Je ne croirais qu'en un esprit qui saurait danser hein, ». L'âme doit être dansante. Hein, nous devons être capables de... capables de quoi? Eh bien, d'adopter et de... créer en permanence de nouvelles perspectives. Le danseur est celui qui réoriente l'espace autour de lui à longueur de temps, hein, qui retrouve une légèreté, une légèreté et allégresse, c'est presque le même mot, hein, qui retrouve une capacité à vaincre la pesanteur, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous fait expérimenter que nous sommes des êtres pesants, des êtres lourds. Quand on est lourd, on tombe. Quand on tombe, on se fait mal.
et puis on n'arrive plus à se relever. Hein, quand on arrive à l'âge qu'est le mien, on devient difficile de se relever quand on est tombé, hein, etc., etc., etc. Tandis que le danseur, il ne tombe jamais. Plutôt, s'il mime la chute, c'est pour tout de suite se relever et repartir dans une autre direction, ouvrir de nouvelles perspectives mobiles, dynamiques. Le danseur est, pour Nietzsche, l'artiste qui est le plus peut-être figurativement un créateur. D'ailleurs, il a aussi quelques textes très beaux sur les enfants, les petits-enfants qui dansent, qui aiment danser, qui aiment... c'est tout naturel, c'est spontané, c'est être vivant, c'est être agile, c'est être léger, c'est être créateur de formes, c'est être... de tous les arts, alors avec, après, avant, la musique, la danse, hein, a vraiment attiré l'attention de Nietzsche, et c'est très exceptionnel dans l'histoire de la philosophie occidentale. Ah, j'avais commencé un gros travail que j'ai jamais terminé, qui aurait supposé que je puisse partir plusieurs années en Inde, mais je voulais travailler à une époque sur la danse comme expression du sacré, la danse comme essentiel au rite religieux. Ah, et bien sûr... Bon, en Inde, c'est, dans l'hindouisme, c'est particulièrement visible, mais ailleurs, hein, en Afrique ou ailleurs, la danse est une expression du sacré. Nous, on ne l'a pas tellement cultivé, ça, dans nos liturgies. Encore qu'il y a des endroits en Europe, hein, où dans les processions, on danse autour du... Hein, par exemple, de la procession du Saint-Sacrement, mais il y a des danseurs autour. Hein. Y a, voilà, on est vivant, on est agile, on est dynamique. C'est tout à fait une autre perspective que celle que Prixm là, reprochait précisément à Nietzsche. Hein, c'est être léger. Hein. Donc, nouvelle perspective, nouvelle valeur. Hein, ce qu'il faudrait, ce sur quoi il faudrait travailler davantage maintenant, c'est justement... Hein, le souci principal de la pensée de Nietzsche, c'est la réévaluation des valeurs, au premier rang desquelles les valeurs morales, bien évidemment. Hein, le bien, le vrai, le bon. Hein, et il faut soumettre ces valeurs à la méthode généalogique. Hein. Ce projet se manifeste dès ses toutes premières œuvres, par exemple la naissance de la tragédie, hein, jusqu'à ses dernières. Et le but de Nietzsche était donc bien de voir comment hein, une valeur a de la valeur, ou bien qu'est-ce qui fait qu'une valeur, finalement, est complètement dévalorisée et dévalorisante. Les valeurs ne sont pas en tant que telles des valeurs. Tout dépend hein, de leur généalogie. Bien, alors on va regarder là. Attendez, où ai-je mis le papier que j'ai distribué ? Merci. Merci. Vincent. Bon, alors un schéma récapitulatif, là je pense surtout peut-être aux plus jeunes, hein, que ça puisse les aider après dans leur... Hein, on le regarde rapidement. Alors, Nietzsche, hein, critique de la culture jugée malade. Ça renvoie à l'expérience personnelle de Nietzsche, fils de pasteur dans la Prusse bismarckienne, etc. Bon, on pourrait aussi bien renvoyer à une certaine morale de la bourgeoisie triomphante hein, sous Napoléon III ou hein, au début de la Troisième République. Enfin, vous voyez hein, les valeurs, quelles valeurs hein, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il peut y avoir derrière. Bon, toute morale demande à être évaluée. Toute valeur demande à être évaluée. Expérience hein, donc de Nietzsche, et ça amène au diagnostic de pathologie. Une ou plusieurs pathologies, pas forcément, mais éventuellement. Ce diagnostic s'effectue en forme de généalogie de la morale, hein, ou d'expertise de la culture. Bon, si vous avez des questions à poser, vous les poserez après, hein. Car comportement et valeur, on les juge bien ou mal, qu'on les juge bon ou mauvais, sont des symptômes. Symptômes d'un état de santé. Mais Nietzsche ne s'encombre pas de, comment dirais-je, de détails. Hein,
Il en conclut que la morale est une unique maladie aux formes variées. Mais ça ne veut pas dire qu'une unique maladie, ce soit forcément négatif. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Hein, vous le connaissez, hein, c'est dans Jules Romain, docteur Cunoc. Voilà, hein, nous sommes tous des malades qui nous ignorons, mais nous sommes aussi des hommes en bonne santé qui ne savons pas que nous sommes en bonne santé. Vous savez, des gens, ils sont tout le temps mal quelque part, toujours un beau qui traîne. Hein, bon. Alors, la morale, une unique maladie, un état pathologique, pathogène, peut-être ce serait plus juste, hein, au moins potentiellement. Si vous n'êtes pas malade maintenant, vous l'avez été, vous le serez. De toute façon, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Bon, alors la morale, au sens nietzschéen, doit être prise dans un sens très extensif. C'est l'ensemble des croyances et des mœurs. C'est la culture, en fait. Généalogie de la morale, généalogie de la culture. Mais la culture dans les valeurs qu'elle promeut et dans les valeurs qu'elle défend. Il n'y a pas de culture sans valeurs. Ah. Il n'y a pas de culture sans permis et défendu. On dira, hein, ça sera plutôt Freud qui développera cette affaire-là. Hein. Elle comprend cette culture aussi bien la religion que la métaphysique, la science et même l'art. Mais le degré de pathologie potentielle n'est pas le même pour la religion, pour la métaphysique, pour la science et pour l'art. Si j'avais mis ces mots les uns en dessous des autres, j'aurais pu mettre plus pour la religion, c'est ce qu'il y a de plus pathogène, hein, c'est ce qui est potentiellement le plus pathologique, ensuite la métaphysique, ensuite nettement moins, il y a du bon, il y a de plus en plus de bon, la science, et là, c'est ce qu'il y a de plus sain, S-A-I-N. Hein, la santé vient plus du côté de l'art, de la création artistique, de la création des valeurs, aussi bien hein, que de ce que nous appelons les beaux-arts, que du côté, bien sûr, de la religion. Hein, le caractère pathologique ou pathogène de la morale va décroissant de la religion à l'art. Ce qu'il faut tester à chaque fois, quels sont les pierres d'achoppement, quels sont les éléments pour faire un bon diagnostic, c'est premièrement, y a-t-il haine du corps? Y a-t-il ressentiment à l'égard de la vie? Alors ça, la bête noire de Nietzsche, qui était lui-même extrêmement, dans sa vie quotidienne, enfin ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ne s'intéressait pas à la nourriture, il ne s'intéressait pas au confort, il ne s'intéressait pas... il avait une vie plutôt très sobre et même quasiment ascétique. Mais bon, ce qui est important, c'est de vérifier que derrière l'ascétisme, il n'y a pas de haine du corps. Hein, il n'y a pas de rejet du fait que nous sommes incarnés, que nous avons, nous sommes charnels. Ça peut nous, ce qui nous ouvre aussi bien au bien, d'ailleurs qu'au mal. Avec ma main, je peux donner une gifle, comme je peux faire une caresse sur le front de ce malade. Mais si je n'ai pas de main, je ne ferai ni caresse sur le front du malade, ni gifle sur la joue de l'enfant insolent. Je serai sans main, je serai impuissant. Donc, la haine du corps, le ressentiment à l'égard de la vie. Deuxième critère, faiblesse de la volonté, exténuation. Hein? On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de promouvoir tel ou tel élément de valeur. Sa débilité, sa morbidité. L'inaptitude à la créativité. Le symptôme le plus conséquent de cette pathologie se trouve dans la volonté de vérité, ou volonté métaphysique, qui est une volonté de sécurité, une volonté productrice d'arrière-monde. On sera consolé au paradis. Alors, on peut accepter votre vie comme elle est, même si c'est absolument atroce, c'est très pénible, très douloureux et très injuste, parce que de toute façon, ce sera compensé plus tard. Cette volonté de sécurité, volonté d'arrière-monde, qui dénigre, qui dévalue, qui dévalorise le monde réel, le seul pourtant qui devrait compter, le nôtre actuellement tel qu'il est, multiforme, changeant, instable, menteur, joueur, radicalement incertain, et qu'il nous faut inventer et créer à chaque instant. Bon, alors, la volonté de vérité, c'est celle qui se raccroche à des hypostases, à des pseudo-réalités, le ciel, l'esprit, Dieu, les dieux, qui sont supposés absolument fiables, solides, intangibles, inaltérables, immuables, éternels,
qui s'appelle aussi la substance, qui s'appelle la cause, qui s'appelle l'en soi, qui s'appelle l'être, l'éternel, Dieu, mais la vérité, aussi bien la science, pourquoi pas, autant d'arrière-monde et d'au-delà de toutes sortes, autant de chimères pour Nietzsche. Alors, c'est au philosophe médecin d'en faire le diagnostic, d'en repérer d'autres formes sous d'autres noms, dans d'autres lieux et d'autres temps. C'est le meilleur exercice hein, qu'il puisse faire pour commencer. Et c'est là qu'il repère une volonté morbide, une volonté de mort, pas toujours bien sûr, mais dans bien des cas, dont religion, métaphysique et science sont les symptômes ou les fruits. Car le monde, en réalité, hein, est multiforme, changeant, précaire, éphémère, lieu de toutes les métamorphoses, lieu de toutes les créations. L'important, c'est d'être hein, un créateur de monde, de valeurs et de vie. Pour ça que l'artiste est ce qu'il y a de plus haut. Hein. Dans le monde présent, dans le monde qui est notre pour Nietzsche, au plus haut, c'est l'artiste. Hein, je pense s'arrêter là. Hein, peut-être simplement tout à fait les dernières lignes. Hein, la distinction vrai-faux n'est pas vraiment pertinente. Bon, ça peut être vrai et faux dans un certain contexte de jugement. Bon, bien sûr, pour le mathématicien, 2 et 2 font 5. Alors, selon que les mathématiques sont en base, hein, sur telle ou telle base, c'est vrai ou c'est faux. Mais. Non, je dis une bêtise là, oui. C'est pas ça qui intéresse Nietzsche. Hein. C'est pas ça qui intéresse Nietzsche. La distinction vrai-faux n'est pertinente que dans un certain cadre. Hein, de jugement. Ce qui intéresse Nietzsche, c'est qu'il n'y a que des points de vue, ce qu'on appelle le perspectivisme. Ça, il faut quand même qu'on mentionne ce mot-là avant la fin. Hein, tout est affaire de point de vue, tout est affaire de perspective. On ne voit pas les choses de la même façon si on est au sommet de la montagne et si on est dans la vallée. Et puis, au cours de l'ascension, on a tout le temps des points de vue différents et on voit les choses autrement. Si vous faites, vous êtes historien, si vous êtes... dès que vous vous intéressez à la temporalité, hein, au déploiement dans la temporalité, dans la durée, le temps, hein, l'histoire, eh bien, à ce moment-là, vous vous apercevez que l'en soi, hein, c'est bien et ça a toujours été bien et ce sera toujours bien. Prenez n'importe quel exemple de morale. Faut pas mentir. Ah, les filles doivent arriver vierges au mariage. Faut payer ses impôts. Je sais pas moi. Prenez tout ce qui peut vous passer par la tête. Rien de plus variable, fluctuant, différent selon les temps et les lieux. Hein. Et ça, c'est une chose à laquelle Nietzsche a été peut-être trop d'ailleurs, hein, mais a été excessivement sensible. Hein. Tout est affaire de perspective, de point de vue. La réalité n'est qu'illusion, jeu d'apparence, suscité par la multiplication des points de vue, comme on le voit avec l'art. Et encore, Nietzsche ne connaissait pas le cinéma. Prenez la même histoire racontée par 3 ou 4 cinéastes différents. Si ce sont de grands cinéastes, ça donnera des œuvres complètement différentes. Ah. Vous pourrez les comparer, vous pourrez dire que l'une est plus remarquable, plus géniale que l'autre, mais hein, vrai, faux... c'est une opposition un peu sommaire qui est dépassée. Hein. La distinction vrai-faux n'est pas vraiment pertinente. Il n'y a que des points de vue. En ce sens, Nietzsche n'hésite pas à dire qu'il y a des erreurs. Parce qu'à un moment ou à un autre, un point de vue qui se révélait intéressant, hein, qui se révélait riche, qui se révélait créatif, cesse de l'être. Hein. La valeur est dévalorisée. Puis il y a des non-valeurs qui sont valorisées. C'est l'histoire de la morale. Nietzsche est l'un des philosophes qui, à la fin du 19e, ont été le plus sensibles à cette altération temporelle, historique, des valeurs. Ce qui est valeur à une époque n'est plus à une autre époque. Y a-t-il des valeurs absolument transcendantes pour Nietzsche, peut-être, mais elles ne sont pas pour nous. Elles ne sont pas accessibles pour nous. Hein, les valeurs n'existent pas en tant que telles. Hein, elles, à un moment donné, pour les uns, pas pour les autres, on peut les estimer qu'en fonction de la santé qu'elles procurent. La seule chose qui compte est leur valeur pratique
ou physiologique. Alors, Nietzsche utilise le mot physiologique, il nous choque peut-être un peu, c'est vraiment très, très matériel, enfin très... est-ce que ça nous aide à vivre vraiment, réellement, physiologiquement? On juge encore une fois un arbre à ses fruits, un symptôme reconduit toujours à un état de santé, et donc aussi éventuellement à une pathologie. Bon, je m'arrête là.